objectif, Seigneur. Va faire cette guerre. C'est le dernier entraînement que je pourrais te donner. Un entraînement? Oui. Je n'arrive pas encore à... Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Je passe en live. Non. Oui. Non. Tu vas faire moins de bruit, ma puce. Et puis j'ai mis le téléphone qui ne méritait pas d'être là. Que? Le téléphone a eu la chose là. C'est à chose aussi. C'est à ouais. À chose. À ouais. Tu vois, je suis toujours bloquée avec ce téléphone. C'est horrible. Pourquoi j'ai mal au ventre comme ça? J'ai mal au ventre. Mm-hmm. T'as vu, c'est bloqué. Mais ce téléphone me fout les boules. Heureusement, je viens souvent vérifier avec le iPhone. Pour voir, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous voudrez bien partager ce live? Qu'est-ce que ce maudit téléphone me fait à chaque fois? Merci, Félia, tu es là, je viens de voir ton message, merci. Merci à toi d'être là. Est-ce que ce serait possible que tu essaies de nous partager un petit live là? Moi, si je vais essayer de faire deux ou trois partages dans deux groupes. Je ne sais pas, mais je n'arrive plus à trouver les groupes dans mon téléphone. Ce matin, je voulais partager la vidéo de la petite Samav, mais aucun groupe disponible comme là. J'ai plus de groupe, je sais pas. Je suis inscrite en plus de 50 groupes. Là, il n'y a plus rien qui s'affiche. Je sais pas trop. Ah, là, c'est bon. Il faut à chaque fois attendre. Ah, Ulrich, toi aussi, tu es là. Désolée, merci. Merci d'être là. Merci de partager alors comme tu es là. Merci de me suivre. Merci Ulrich, merci de partager, merci à vous. Alors aujourd'hui, on ne va pas trop dur, on va faire un petit live, vite fait. Les pages Facebook, c'est parfois, comment on l'appelle, le silence fait en sorte qu'on perd beaucoup en algorithme. Donc même si tu as envie de rester sans parler, tu disparais dans la masse tellement qu'il y a tellement de pages et du coup tu te perds dans la masse. Il faut qu'à chaque fois tu viennes nourrir, faire vivre ta page, sinon l'algorithme te fait perdre. Te perd autant pour moi. Bonsoir Eric, bonsoir, comment tu vas? Eric Royal Fashion, partage le live. Comment tu vas? Moi, je vais très bien, merci. Je vais très bien. J'ai un peu mal à la tête, un peu trop prise. Bon, pas trop. Mais bon, j'ai eu un petit incident que je ne souhaite même pas expliquer. Je pense que je vais expliquer au Phoenix. J'ai eu un petit incident, mais quoi que je peux quand même, ça ne sert à rien de regarder. J'ai eu un petit incident avec mon shop. Qui a été attaqué, on va dire ça comme ça. Et donc, par quel malheur, j'ai perdu mon site internet. Pas les pirates, mais je sais pas trop. Il y a eu un dysfonctionnement et du coup, j'ai tout perdu. Ce qui est bizarre avec quand tu as le site sur WordPress, c'est qu'une petite erreur de plus et tout le système vient gaspiller. Donc du coup, je me suis retrouvée avec un site décalé, les pages, les produits ne s'affichaient plus bien, le système de paiement était bloqué, voilà. Et donc du coup, pas par erreur, en voulant tout simplement restaurer le site, j'ai perdu tout mon site internet. Donc du coup, j'ai dû recommencer pendant 3 jours. En temps normal, je mets 2 semaines pour créer un site internet. Et là, j'ai mis à peu près 24 heures sans dormir pour le remettre à pied. Et pour ça, j'ai dû prendre un autre nom de domaine. Vous allez voir quelque part que vous allez voir que le nom de domaine, c'est écrit Newman Market.
Donc, j'essaie de prendre une man market parce que c'est ça aussi le problème. On va essayer de parler de ça aussi un peu. Quand on crée des sites internet, il faut avoir un bon nom de domaine qui attire du trafic, qui amène du trafic. Voilà, c'est. Et au fur et à mesure que je travaille beaucoup avec le Claire Newman, tout simple, il n'est pas trop trafic, il n'apporte pas trop du trafic par rapport à Newman Market, m'apporte beaucoup du trafic. Donc, j'ai par stratégie tout simplement décidé de prendre un autre nom de domaine et changer. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a causé un peu le petit silence en train de travailler mes boutiques qui partent à gauche, à droite, là. Bonjour, non, mais je suis fatiguée de lire les marabouts. Je serais vraiment fatiguée de vous lire aujourd'hui. Je n'ai même pas envie de vous insulter. Donc, veuillez passer votre route. Tu es calme aujourd'hui. On dirait que ça ne va pas. Non. Oh. Pourquoi je suis fatiguée? Donc, quand je vais bien, cela il faut crier. Au contraire, je vais très bien même. Oh, vous m'amusez, Annie, que tu es très calme aujourd'hui. On dirait que ça ne va pas. Donc, il faut que j'écris pour que vous. Oh non, non. Vous savez, c'est vous-même qui faites en sorte que j'écris. C'est vous qui me rendez comme ça. En temps normal, je n'aime pas crier. C'est vous. Je sentais de parler doucement, tu dis que non, c'est pas normal que je parle doucement. Donc, parce que tu es habitué de me voir crier, hein, partage d'abord le live, tout simplement. Partage là, on va en même temps aussi bloquer le maraboutage qui est là. Voilà, comment on fait pour bloquer? Il est là, ici, bloqué Moussa. Voilà, je vais très bien, je vais très bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Ah non, non, ça dépend du moment et j'ai pas envie. Hein. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai beaucoup mal à la tête. Je n'ai pas envie. Donc, j'ai pas vraiment envie de. Et puis, ça dépend du sujet. Là, je suis dans un sujet. Je suis comme si je vous dirais un petit coucou et parler un peu des demandes que je reçois un peu en inbox aussi. On va parler de ça. Parce qu'on ne va pas être hypocrite dans la société et faire semblant aussi. Vous savez. C'est ce qui fait en sorte que parfois les gens ne tolèrent pas trop mon qui je suis, parce que mon qui je suis est celle qui dit tout ce qui passe dans sa tête. Voilà, si tu es vilaine, si tu es machin, si tu es cool, si tu m'énerves, c'est elle, celle qui dit tout ce qui passe. Mais, attendez, j'essaie de partager un peu là. Pourquoi je suis bloquée là? Attendez, mets un nom comme ça. Alors, ça me donne bien. Petit 6 jours sans faire l'âme, là, c'est où encore ma page là? Elle est là, non? Elle est là. On n'a pas fait l'âme depuis 6 jours. Qui? Partagez pas les laves. Mon écran s'est cassé là-haut. Regardez. Là, c'est cassé. Un nouveau téléphone. Même pas 4 mois. L'écran s'est cassé. Voilà. Ok. Bien. J'ai un petit message, un petit live tranquillement, pas forcément de venir dénoncer quelque chose. Hein. Un petit live à faire avec vous aujourd'hui, tranquille, sans crier, si tu me permets, si vous me permettez de ne pas crier parce que j'ai mal à la tête, pas parce que je suis triste, pas parce que j'ai quelque chose, pas parce que j'ai des problèmes. Et d'abord, si j'ai des problèmes, je ne viens pas sur Facebook. Je fais partie de ces personnes, quand ils ont des problèmes, on résout nos problèmes comme des adultes, en inbox. Ou en contactant de qui de droit. Facebook ne règle pas des problèmes. Facebook attire des problèmes. Ce qu'on doit savoir. Voilà. Donc, je mets ça ici parce que je suis bloqué avec votre téléphone Android. Android, là, il ne me montre pas les commentaires. Donc, pour lire vos commentaires, je lis ça sur notre deuxième téléphone. Celui-ci, il est vierge. OK. Donc, j'avais un petit message ou un petit live à faire avec vous aujourd'hui. Comme vous savez très bien, de temps en temps, il faut bien qu'on se nourrisse, qu'on se parle, non? Pas forcément venir dénoncer les maux de société. Parce que vous savez, peu importe tout ce qu'on va faire dans la vie, peu importe les dénonciations, les problèmes seront toujours là. Les gens auront toujours les problèmes dans la vie. J'ai vu les deux derniers jours là, on m'a tagué dans tout ce qui se passe au Gabon là-bas. Vous me taguez là-bas. Mais moi, j'ai mon plus grand problème à ce moment-là, c'est que ma source de revenus a été coupée. C'est-à-dire que mon site internet a été...
malheureusement, virus et tout ça. Donc, il a fallu que je repasse là pendant 2 jours sans dormir. Voilà pourquoi vous voyez. J'ai mal à la tête. Aujourd'hui même, j'étais en ville. Voilà, j'étais en ville un peu faire un dépôt. Et j'étais dans le bus comme ça là. Je vois la tête. J'avais des vertiges. C'est comme si on me cognait la tête. Parce que j'ai fait ce qu'on appelle du surmain. Du surmain, c'est-à-dire, moi, parfois, j'abuse, j'ai fait 24 heures sans dormir. Et le lendemain, je me lève, je pars à l'école, je dépose ma fille. J'ai dormi seulement un peu hier, comme ça, là. Peut-être 4 heures de sommeil. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai encore des problèmes plus graves que ça. Que tout le monde a des problèmes graves. Sachez ça. C'est pas que je ne vois pas, mais c'est vrai que quand mon état d'esprit n'est pas prêt à parler des problèmes des gens, s'il faut que moi-même, je sois déjà en paix avec moi-même avant de venir parler des problèmes des gens. Vous comprenez? Moi, je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Ce n'est pas parce que j'ai envie de venir parler. Non, il faut que moi, je me sens déjà bien. Mais tous les jours, là, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien parce que combien de clients je perds, combien de gens... Voilà, j'ai dû recommencer tout à zéro. Tout à zéro. Donc, tant que je ne suis pas bien, là, je ne viens pas faire. Je ne suis pas malade. Il faut que je termine de mettre mes sites internet et recommencer tout à zéro. Donc, je ne suis pas malade. Donc, c'est pour ça. Moi aussi, l'argent, c'est important. Si je ne gagne pas l'argent, là, je ne paye pas mon loyer. Pour les gens qui pensent que ce sont les hommes, c'est mon mari ou c'est les hommes. Non, non, non. Je suis le genre de femme, c'est elle-même qui paye ses affaires. C'est moi-même qui paye mes choses. Et donc, pour payer mes choses-là, il faut que j'ai une activité lucrative qui m'amène de l'argent. Et moi, je fais du e-commerce. Mon argent vient d'Internet. Mon argent, c'est pas comme, comme beaucoup d'entre vous savez. Moi, c'est Internet. C'est des trucs numériques. C'est des articles numériques. C'est des livres numériques. C'est tout pour moi, c'est numérique. Je gagne de l'argent sur Internet. Je n'ai pas la boutique ailleurs. Donc, du coup, comme ça a été un peu chamboulé, c'est-à-dire que la principale boutique a été chamboulée. Donc, du coup, j'ai changé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup. C'est-à-dire que si je vous montre seulement, je vais essayer de faire capture d'écran. Je vous montre seulement les statistiques, les données de mon hébergeur. Comment mon site Internet est attaqué. Je ne sais pas ce que les gens veulent aller faire là-bas. Attaquer, m'attaque le site tout le temps. Ça veut dire que vous allez me laisser en paix que le jour que je vais mourir. Ça veut dire que vous avez terminé Facebook, vous attaquez maintenant mes sites internet. Donc, du coup, One and One m'envoie tout votre site internet et machin, des IP qui viennent même des États-Unis. Les gens me forcent jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Australie, jusque partout. Je m'en fous. Donc, bon, c'est pas grave. Voilà, je ne suis pas informaticienne, je suis que seulement quelqu'un qui sait manier un peu Internet de temps en temps et c'est ce qu'il faut à la place qu'il faut pour avoir son petit contenu normal. Bonjour Glenn, Orphée, comment tu vas? Merci bien. Vous voyez là les commentaires. J'arrive plus à rentrer dans les commentaires. Je vois, oh, je te vois parce que la dernière fois tu as posé la question, c'est parce comment? Je vous ai dit de m'ajouter. Chat, tu es sûrement passé à la nouvelle version. La nouvelle version pour ajouter quelqu'un à l'administration, tu pars sur ta page, tu quittes de ton compte, tu bascules vers ta page, d'accord? Tu bascules vers ta page. Une fois que tu es sur ta page, il y a la petite roue, là. La petite roue, tu cliques sur la roue. Si tu ne cliques pas sur la roue, tu cliques déjà sur ta photo. Sur ta photo en haut, il y a la petite roue. Tu cliques sur la roue, tu vas voir paramètres de la page. À côté de la paramètre de la page, tu vas descendre. En fait, tu vas descendre, tu vas chercher... rôle. Là où tu vas voir rôle là de la page, tu vas voir rôle de la page, tu vas mettre ajouter. Ne m'ajoute pas en tant que tâche. Si tu m'ajoutes en tant que tâche, je n'aurai pas accès à tout. Bon, ajoute-moi éditeur, puisque je ne vais pas faire ta monétisation, mais booster les abonnés. Tu vas m'ajouter éditeur. Donc, tu ajoutes quelqu'un pour gérer cette page. Il y a plusieurs façons sur truc. Il y a ceux qui sont comme community manager. Il y a le rôle de community manager, il y a ajouter quelqu'un partage, mais ne m'ajoute pas partage, sinon je n'aurai pas accès à tout. Voilà à peu près comment ajouter. Et puis n'oublie pas de mettre le mot de passe. Pour ajouter quelqu'un, il faut se rappeler du mot de passe. Si tu as oublié le mot de passe qui te permet de gérer ton compte Facebook, tu ne peux ajouter personne. Et cette explication est donnée pour vous tous aussi qui n'avez pas ajouté les gens. Moi, je ne clique pas sur le lien. Non, je suis calé sur ça. Moi, tu m'envoies même le lien, même. Je vais te demander toi-même de m'expliquer ce qui est dans le lien. Je ne clique pas sur le lien. Je suis pas assez curieuse à ce point pour aller cliquer les liens voleurs, menteurs sur les réseaux sociaux. Si tu as vu quelque chose sur Internet, mieux tu me fais capture d'écran et puis tu m'envoies et tu mets le lien en bas. Si tu dis clique là, tu vas attendre un an, je ne cliquerai pas. Je ne cliquerai pas dessus. La dernière fois, il y a une petite sœur qui m'a dit qu'à toi aussi. Elle m'envoie le lien. J'écris en bas, c'est qui? Elle me dit sans blague. Je dis que sans blague comme moi, je ne regarde pas les liens. Je ne clique pas les liens. Bon, revenons au sujet.
Comment allez-vous? Toi aussi, tu veux m'ajouter à ta page. Hein? Si tu désirais, tu t'es concerné que tu m'ajoutes à ta page. Je gagne quoi? Tu me payes combien? Il faut payer. Oh. Oh, me faire dormir. Là. Les gens, même pour te dire que la grande va me faire, même sur ma page abonnée, tu vas me dire que mais à mes abonnés, ce que toi, tu peux faire. Il ne faut pas me déranger pour rien. Les Gabonais, vous ne méritez pas qu'on vous dérange, les gens. Il y a 3-4 jours, je reçois à peu près les demandes d'argent. Voilà, je ne parle pas des gens qui me demandent l'argent normal, mais c'est les gens qui demandent l'argent pour se lancer dans le business. Voilà, donc c'est cela que je vais parler. Ceux qui me demandent de l'argent normal, quand j'ai, Dieu seul sait, quand je n'ai pas, Dieu seul sait. Dans tous les cas, moi, Bissielou, je ne sais pas mentir. Mais ceux qui viennent en tant que business, c'est à eux que j'ai un peu ces petits messages-là. J'étais tout à l'heure au téléphone avec une de mes petites soeurs, on papotait. Parfois, c'est suite à des conversations avec des gens que je trouve des idées pour faire des lives. Voilà, parfois. De temps en temps. Donc, du coup, je reçois d'abord une première demande venant d'un pays africain. Si je me rappelle bien, si je peux prendre le téléphone, la personne me dit qu'elle est au Bénin. Elle vit au Bénin, mais c'est une Gabonaise. Elle veut se lancer dans le business. Elle a besoin de mes services. Mais les services qu'elle me demande, les services sont d'ordre financier. Donc, elle aimerait que je lui trouve, écoutez la somme, elle aimerait que je lui trouve 500 000 francs CFA. Bon. Vous savez, les trucs comme ça, quand vous partez vers quelqu'un, il faut déjà regarder la personne qui est en face de toi. Donc, maintenant, je dis à la soeur, ah, il n'y a pas de souci. Moi, c'est comme ça. Vous avez, parfois, il dit, il n'y a pas de souci. Parfois, non. Celle qui est hier, avant-hier, là, si elle est collectée là-bas, avant, elle va être bien. Pour ça, je dis à la soeur qui est au Togo que c'est dans quel business que tu veux lancer qui te coûte 500 000 francs CFA. Et la réponse qu'elle va me donner va tellement me faire rire que je me dis, il y a encore des personnes qui tombent aussi bas, il y a encore des personnes qui tombent aussi, je ne sais pas, aussi dans les pièges, aussi simples, aussi faciles, juste pour aider. Elle me dit non, c'est que là où je suis là, je suis en train de chercher dans quoi je vais ouvrir mon business. Mais comme je sais que tu es dedans, si tu peux m'aider, non seulement je vais l'aider à trouver l'idée, mais c'est avec mon argent que je vais l'aider à trouver l'idée. Que si une jeune femme gabonaise, elle veut se débrouiller, si je peux l'aider, elle me serait reconnaissante à vie. Je dis, mais je ne sais pas si tu t'entends parler ou c'est juste pour venir entendre ma réponse. Pour après, mal me citer comme mon nom est devenu, mon nom est sucré sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, non, la grande, c'est pas ça. Je dis, bon, donc, aucunement de ma vie, de tous les jours, je me permets de livrer les gens l'argent facilement comme ça, parce que tu es une jeune africaine. Il faut comprendre la vision finale où je vais amener la conversation. D'accord? Voilà. Ça dit ici qu'on a appris, nous les Africains, nous avons cette tendance de facilité d'aller vers les gens et soumettre les problèmes dont nous-mêmes nous ne sommes même pas capables de trouver les solutions. Nous voudrons que d'autres personnes viennent nous trouver ces solutions-là. Mais on sait très bien qu'au fond de nous, nous ne serons pas capables de gérer cette situation. Si la personne m'amène la solution de gérer cette situation jusqu'à la fin ou peut-être stabiliser la situation. Je m'explique encore un peu plus clair. Quand elle me demande qu'elle veut se lancer dans le business et qu'elle ne sait pas dans quel business se lancer, mais que c'est moi qui dois l'aider à trouver non seulement le nom du business dans lequel elle veut se lancer et surtout je dois être son financement. En temps normal, quand les personnes me contactent, ils vont vous dire la plupart du temps, je les renvoie avec un seul mot. Présente-moi le dossier. Je vais être ton partenaire. Ça veut dire quoi? Si tu viens vers moi, je ne suis pas riche, et que j'ai mon petit épargne de 300 000 francs CFA, et que tu m'amènes un projet, je me vois que dans ce projet, si j'injecte mes 300 000 francs CFA, peut-être que les 300 000 francs me rapporteront peut-être 1 million de francs CFA. Est-ce que je me fais comprendre?
Pour moi, ce n'est pas un truc que je viens t'aider. Il est hors de question que je prends mes enfants à aider les gens. Sauf quelqu'un qui me dit que Clem, je suis à l'hôpital avec l'enfant. Est-ce que tu as 1000 francs? Ça, c'est autre chose. Mais dans le business, ne comptez pas sur moi avec des idées ou avec des paroles toutes faites. Que je suis une jeune africaine, je me cherche, aide-moi, je te serai reconnaissante. Moi aussi, je suis une femme africaine, je me cherche. Et je cherche aussi à être reconnaissante à peut-être un milliardaire ou peut-être un investisseur qui prendra, qui croira à mes projets. Mais pour l'heure, je ne vais pas embêter les gens sans déjà compter sur moi. Donc je dis à la jeune sœur gabonaise que comme tu es au Togo, que je sache, le Togo c'est un pays quand même où il y a beaucoup de choses à faire. Tu es gabonais, tu es parti là-bas, je ne veux pas savoir. Mais tu veux que je te donne 500 000 francs CFA et je te trouve l'idée, je gagne quoi en retour? Elle me dit non, je te serai reconnaissante quand les affaires vont bien marcher, je vais te ramener les 500 000, je vais te rembourser tes 500 000 francs CFA. Ok, donc du coup je suis perdant tout simplement en investissement, en temps et en énergie. Et tu prends tout. Ça, c'est d'une. Deux, ça, c'est il y a deux jours ou il y a trois jours. Elle c'est sur Facebook. Elle, c'est sur Facebook. J'ai des administrateurs sur mes pages. Hein. Moi, je ne mens pas. J'ai des administrateurs sur mes pages. Donc, ce que je dis, les administrateurs peuvent aller vérifier. Ils vont voir. Elle, c'est sur deux jours ou trois jours là. Elle m'écrit, elle me dit. Elle m'a demandé 150 000 francs pour lancer un business. Là, je suis tombée du haut de mon... de mes fesses. Parce que qu'on me dise, soit les business au Gabon, le Gabon est devenu vraiment un pays plus facile, le pays le plus facile au monde où on ouvre un business avec 100 euros. Avec 100 euros. Voilà. Avec 100 euros, bon, il n'y a pas de souci. Les gens disent, ça dépend de quel business. Elle me dit, je me cherche Claire. Est-ce que tu peux me trouver 100 000, 150 000 francs CFA? Je vais lancer mon business. Elle dit, maman, non, je ne fais pas ça. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça parce que vous êtes non seulement des menteurs, vous êtes des voleuses et vous êtes des escrocs. Et vous ne voulez pas faire de business. C'est pour ça qu'on n'évolue pas en Afrique parce qu'on veut voler. Tout le monde dit que va voler une autre personne, va escroquer une autre personne. Quand on a commencé dans cette résistance, on a commencé avec des mots comme ça. On a commencé avec des personnes qui ont utilisé la misère du pays pour soutirer, pour nous soutirer de l'argent. On a commencé avec ça. Moi, j'ai beaucoup donné aux gens ici parce que Claire, je veux me lancer. Claire, je veux me lancer. C'est tout simplement encourager, encourager pas la bêtise, encourager les gens à être toujours dans la position de demanderesse, à être toujours dans la position que je demande, je reçois, et non je donne, et non j'injecte pour investir, pour développer mon business. Maintenant, je dis que ma soeur, quand tu me demandais 150 000 francs pour lancer ton business, je ne peux pas. Je ne peux en aucun cas donner quelqu'un 150 000 pour lancer un business parce que ça n'existe pas. Il faut me laisser vos conneries que tu vas aller ouvrir le pain, c'est faux. Vos trucs de bizarre là, c'est pas un business. Hein. Tu vas aller ouvrir un business de 150 000 francs, c'est pour aller manger les pains de qui au quartier et puis le lendemain revenir. J'ai une petite soeur là, elle est là beaucoup souvent envoyer l'argent au pays à ses parents. Oh, et 2 millions, 3 millions pour ouvrir les bars. Même pas 2 mois, proum, ce sont eux qui ont escroqué l'argent, ce sont eux qui ont bu l'argent. Tu imagines 150 000 francs. Vous savez pourquoi vous ne réussissez pas? Parce que non seulement vous ne croyez pas déjà ce que vous voulez faire, mais vous êtes dans l'optique première de vouloir arnaquer les gens devant vous. Vous êtes dans l'optique première de vouloir voler. Vous êtes dans la posture de dire, je vais commencer, si je m'en vais escroquer 150 000 francs chez Claire, je vais escroquer 150 000 francs chez Glenn, je vais escroquer 100 000 chez Nadège, et ainsi de suite, vous vivez aux dépens des autres. Pas plus tard encore, une autre personne est venue, ça là même à comme. Laissez-moi vous parler comme ça un peu. Parce que parfois, quand vous nous voyez ici assis, vous venez m'insulter, vous ne savez pas ce que les gens subissent dans les inbox, ce que les gens font dans les inbox. Certes, on n'a pas le droit de le dire, mais à un moment donné, l'hypocrisie voudrait que l'ingratitude voudrait que moi, Claire Newman, tellement je subis, je vais venir dire aussi que malgré ça là, voilà comment je traite avec certaines. Il y a une jeune fille qui me contacte, au moins il y a un mois avant la rentrée scolaire, le mois dernier. Cela, c'est elle qui m'a tué. C'est comme si c'est moi qui envoyais cette fille d'aller coucher dehors. C'est moi qui l'envoyais de faire ses 7 gosses. 7 gosses pour venir m'embêter. Bonjour, tata dérangée. Il vient toujours avec des attaques de long métrage. Bonjour, notre tata dérangée. Notre ministre de la misère. La seule unique, ma préférée. Moi, je dis que, oh, stop, à vous. À cause, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tata, j'ai un gros problème là. Je suis une femme gabonaise. Voilà, elle, on est les moines à peu près de la même génération. Je suis sa grand-sœur de 3 ans. On va dire ça. Elle a 40 ans. Je suis sa grand-sœur de 3 ans. Voilà,
Mon ex m'a quitté, il m'a laissé avec 7 gosses. Voilà, à l'époque, je faisais des bricoles, je vendais au marché mon boîte. Voilà, je n'ai plus rien. Est-ce que tu peux m'aider à payer la rentrée scolaire de mes enfants? Je ne pars pas loin. Je pose la question à la soeur. Ah, ma chérie, le mec t'a quitté? Oui. Il est mort? Non. Ses parents sont morts? Non. Tes parents sont morts? Non. Seigneur, ça c'est pas les problèmes que tu viens me chercher. Et quand moi je vais parler, quand je vais te dire ce que je pense là, ou bien tu veux que je te dise, je te parle en hypocrisie, ou bien tu veux que je te parle de toute vérité. Et me dit, t'as qu'à soi toi-même. Je dis, ah, je dis, va continuer à baiser. Comme tu as fait avec celui-là, va continuer avec un autre. Et puis celui-là va encore te donner de l'argent. C'est avec l'argent là que tu viendras nourrir les enfants que l'autre a laissés. Et puis quand lui aussi va te laisser, tu vas encore baiser une autre personne. Et puis tu vas nourrir tes enfants avec des baisements, des baisements, des baisements. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit que oui, parce qu'on a le même âge presque. Je suis ta grand-sœur de 3 ans. De 3 ans, elle a 39 ans. Je suis ta grand-sœur de 3 ans. Et qu'un homme t'a abandonné avec ses enfants. Et que tu te retrouves à 39 ans avec 7 gosses. L'homme est vivant. Les parents sont vivants. Mais tu prends le téléphone pour venir demander à notre femme dehors de te payer la scolarité où toi-même tu t'es sorti. Tu étais consciente d'aller écarter les jambes et faire cette gosse. Et faire cette gosse à 39 ans. Tu t'es permise toi-même d'aller écarter avec un homme, avec le papa. Dieu merci parce que tu as fêté cette gosse avec un seul enfant. Bon. Donc du coup, il t'écrit pour une autre femme. C'est moi clairement, tu as trop vu en moi la responsabilité de Mère Teresa de subvenir aux besoins de ta chatte. Vous voyez là où vous poussez parfois les gens de ne pas respecter parfois les personnes qui souffrent, qui sont vraiment dans le besoin. Comme ça, je demande que ma chérie, au Gabon, il y a tellement de choses à faire. Au Gabon, il y a tellement de choses où on peut entreprendre. Au Gabon, il y a tellement de choses. Comment toi, une jeune femme, tu vas venir me demander de que continue d'aller nurser. Continue d'aller binda. Tu vas binda le forestier. Tu vas binda le malien. Tu vas binda n'importe qui pour te payer la scolarité de cette gosse. Moi, Claire, moi-même, où tu me vois là, moi, mes frères, à l'île comme ça, vous êtes avant, j'étais la banquière de mes frères. Aujourd'hui, là, elle me traite que, oh, mes familles me traitent que tu es vraiment une la Camerounaise de la famille. Je confirmais mon statut de Camerounaise de la famille. Avant, c'était moi la banquière. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que quand mon frère m'appelle, là, la grande, j'ai un problème, je bloque, je dis que si c'est l'argent, meurt. Je ne parle plus loin. La grande, je ne parle plus. Je dis que quand tu vas mourir, il n'y a que le cercueil que je vais payer. Donc, vous imaginez où moi-même je fais souffrir maintenant mes parents que maintenant, c'est chacun pour soi. Donc, toi, quelqu'un de dehors, où je ne sais pas par où tu es sorti, tu as même dit, cette gosse, tu viens te mettre sur Internet que, oh, tu es la maraîchère des opprimés. Hein, ce n'est pas les opprimés de biologie, je ne suis pas la maraîchère des opprimés de vos enfants. Hein? Non, 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 non. Nous tous, là, on a des enfants. J'ai fait des enfants à bas âge. Moi-même, là, on m'a abandonné avec mes enfants. J'ai commencé à aller travailler à Veya, à aller puiser l'eau. Vous voyez les gens remplir les comment ils appellent ça, les damjans d'eau. Chez les Aoussa, ça 300 crocs, 300 crocs. Dès que j'ai mes demi, je m'en vais m'asseoir à mon moutouki, je regarde le trousseau de mes enfants. Moi-même, j'ai de mon corps, de mon petit corps là, parce qu'avant j'étais mince. Avant, je faisais mes petits 55 ou 50 kilos. C'est l'Europe qui m'a donné des kilos et c'est à cause de manger n'importe quoi. Moi-même, je partais m'asseoir, aller mettre des cuvettes d'eau sur la tête pour nourrir mes enfants. Je n'ai jamais embêté quelqu'un pour mes enfants. En fait, il faut avoir un peu de la dignité. Je n'ai jamais dit que où je souffre là, je sais que c'est une femme, que Dieu me pardonne. C'est-à-dire que où je souffre là, je n'ai jamais embêté quelqu'un. Même le jour, c'est si ce que là, je vais m'appeler, si je connais mes ex qui sont devenus riches, je préfère encore retourner encore aller me binder avec mes ex pour prendre de l'argent, pour nourrir mes enfants, que d'aller voir une autre femme qui se cherche, une autre femme qui se débrouille, une autre femme qui se démerde, dit que toi, viens payer la charge que mon homme a laissée. Parce que quand tu es parti, la fille que tu embêtes dehors, là, elle était dedans. Je fais quoi avec les marabouts? Ce n'est pas mes administrateurs là qui ne sont jamais quand je suis connectée. Je bloque, ils reviennent, non? Ma joie. Vous voyez pourquoi? Parce qu'au Gabon, l'argent que les gens vous donnent, l'argent que beaucoup vous donnent sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que vous estimez, vous mesurez
La densité ou le bon cœur des gens, quand les gens répondent à vos bêtises, moi j'appelle ça des bêtises, quand les gens viennent répondre à vos déléances, c'est par là vous prenez le temps de vouloir estimer qui est bien, qui est la baisse. Je ne suis pas dedans. Moi, je préfère que vous me considérez la mauvaise parce que je vais toujours vous dire la vérité. Tu ne peux pas avoir à faire cette gosse avec un homme qui vit et se lever un bon matin et demander à une autre femme de payer la scolarité de tes 7 gosses. Toi-même, tu es là, tu es vivante. Attends, mon ami, mieux tu vas faire yoga santé parce qu'il y a des femmes pour nourrir leurs enfants font du yoga santé. Mieux tu vas vendre les tomates, mieux tu vas faire les placements, mais ne viens pas demander une femme comme toi. Toi et moi, on se cherche. Toi et moi, on est dans le cherchement. Quand moi, je vais d'abord laisser tout mon bataillon de frères que je ne donne plus là. Avec Antoine même va dire que... Antoine m'appelle, la dame. Il appelle un petit sang. Il dit, oh, Antoine. L'argent a fui. Regarde, tu es vraiment une Camerounaise. Il dit, so, je dis, comment vous connaissez ça? Il faut les demander. Il faut demander ma famille comment Claire est devenue. Je ne donne plus l'argent. Parce que la mère qui donne tout le temps, là, la mère, elle donne, à un moment donné, elle va se fatiguer. Tout le temps, et c'est elle qui donne. À un moment donné, elle a envie de tendre, elle a envie de recevoir. Nous aussi, les gens donneuses, là, les gens donneuses comme nous, là, on aimerait recevoir un peu. Nous, on ne reçoit jamais. C'est comme si c'est une punition chez Dieu, quoi. Vous, nous, on vient pour donner, et les autres sont pour recevoir. Mais quand les donneuses, là, sont dans les besoins, vous allez voir les receveurs, là, ne seront même pas là pour venir dire, ah, regardez, c'est que c'est pas beaucoup, hein, voilà un petit mi-fond là. Jamais. Nous les donneuses là, on souffre avec nos problèmes. Nous les donneuses là, on meurt avec nos problèmes. Nous les donneuses, on est endettés avec nos problèmes. Moi, là, je suis endetté jusqu'à il n'y a pas de, il n'y a plus moyen. L'endettement m'a dépassé l'endettement. Mais si je m'avais demandé quelqu'un là, est-ce que tu peux me prêter mes 1000 euros là? Tu peux me prêter 1000 euros là? C'est la personne qui va commencer à me raconter la genèse de tous ses parents qui est mort jusqu'où. Moi, quand on me demande, je ne raconte pas la genèse. C'est-à-dire que même quand j'ai. Quand je n'ai pas, je te dis, cash, je ne te donne pas, je donne. Je ne te donne pas, je donne. Il n'y a pas 4 matins. Mais nous, on ne nous donne jamais. Même un petit colis qui revient de là-bas. Combien de personnes au Gabon, tout récemment encore, il y a un petit. Je pense que celui-là est là en Turquie. Là, quand j'ai un problème, j'ai envie de payer le loyer. Un petit Gabonais étudiant. C'est comme ça. Donc, du coup, et pourtant, la Turquie là-bas, il y a beaucoup de boucles d'oreilles. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Oh, là, quand, un jour, tu m'avais aidé là, voici, t'envoies un petit colis là. Vous ne savez pas donner. Eva, arrête, tu veux casser la lumière. C'est quelle vie où vous passez tout votre temps à recevoir sans donner, que d'autres personnes doivent seulement vous donner. Donner, la vie, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, là, la vie, ce n'est plus ça. Quand tu fais du bien ici, ou quand tu fasses du bien, ou tu fais du mal, tu vas toujours mourir. Pas parfois, quand je dis souvent, ma mère me dit souvent que je suis un enfant bizarre, ou peut-être que c'est un démon qui m'a accouché. Oui! Pourquoi quand elle me demande si t'es faite et demande de l'aide là-bas, je dis que non, pardon, je ne suis plus dedans, je ne suis plus la carmère d'avant, je ne suis plus celle qui dépend. Oh, tu as changé, tu vas me pleurer un mois, après tu vas m'oublier. Je dis ça à ma propre mère. Je dis que maman, tu vas me pleurer un mois, après tu vas oublier que c'est moi qui finançais la famille là, tu vas m'oublier, tu vas transférer l'amour là ailleurs. La preuve. Tu as perdu combien d'enfants? Est-ce qu'on parle encore d'eux? On l'a même oublié. Moi-même, là, mon frère chéri, j'ai même parfois oublié. Donc, si je dis non, si je dis oui, prends-moi comme une mauvaise, prends-moi comme une bonne, tu vas m'oublier. Quand je vais mourir, c'est les 3 premiers mois-là, tu vas pleurer. Après, tu vas m'oublier. Donc, tu vas m'oublier que je t'avais accablé l'argent. Donc, mieux je t'accable ça ici, au lieu de t'accabler ça quand je vais mourir. Mieux je devais... Elle dit que je ne suis plus pareil. Oui, tu n'es plus pareil. Elle dit que non, maman. C'est la réflexion. C'est plus tu grandis, plus tu dis que mais pourquoi je vais me sacrifier? Pourquoi on doit se sacrifier pour les autres? Pourquoi on doit seulement être la personne qui doit donner, donner, donner et on n'a pas le droit de recevoir? Attends, dans le contrat que Dieu nous a envoyé sur terre, il n'y avait pas une faille dedans qu'elle aussi elle doit recevoir. Pourquoi je dois être la donneuse permanente? Même auprès des amis, je suis la donneuse permanente. Il y a des amis qui ont des situations qui peuvent m'aider. Mais tellement que ça leur fait mal de me venir en aide et me regardent. Il y a des gens même que j'ai enlevés dans les situations aujourd'hui, quand je les regarde comme ça, il y a des menteurs, des mythomans de première catégorie dedans. C'est une vie où toi, c'est toi qui dois passer seulement le temps à donner, 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 donner. Donc moi, je dis à la sœur que non, il faut entreprendre. C'est qu'il y a cette gosse. Celle-là, au moins, je pense que le Phénix a vu son message. Parce que le Phénix aussi est administrateur de cette page-là. Yann, donc, administrateur de cette page. Donc, quand vous m'écrivez, c'est que je ne mens pas. Les gens-là, la plupart sont les administrateurs de mes pages.
Donc, si un mensonge, il faut aller regarder les messages. Ils vont lire. Donc, j'ai répondu à la sœur que ma sœur, moi-même là où tu me vois là, mes parents sont devenus les parias financiers à mon niveau. Je ne donne rien. Quand seulement et seulement important, même quand c'est la santé là, c'est encore là, il faut que je regarde encore de près. Parce qu'il faut savoir une chose. On vient sur terre ici, on est individuel. Peu importe l'amour qu'on va donner aux gens, les gens vont finir par nous oublier. Peu importe la gentillesse, ils finiront. Et regardez, on a oublié Hitler. Les gens ont oublié que Hitler a exterminé les gens ici. Ils ont oublié que c'était un nazi. Les gens ont repris leur vie. Que vous soyez bon, que vous soyez mauvais, on va vous oublier. Ce qui est important et nécessaire, c'est que vous soyez en paix avec vous-même, que vous ne devez personne. Je ne parle pas de devoir financer, parce que moi, je dois beaucoup de gens l'argent. Mais quand je dis devoir, que vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit, que vous êtes en paix avec vous-même, là. À la limite, soyez égoïste. Comme Afida, tu nous as dit qu'elle est égoïste. Je pense que je vais adopter son comportement que j'ai senti l'épouser. L'égoïsme, fatalisme, c'est ce qui est important. Lorsque tu es égoïste, là, les gens te fuient. On a une amie, là, ma Ovala, qu'on est, non, on crée ce mandeuil. Elle, à l'époque, là, quand on était encore à Libreville, dans nos Kungulu, là-bas, c'est là. Pendant que nous, on mange les macaronis, ou les, on mange les bons plats, notre soeur, là, avec un seul plat fétiche, omelette au plat, omelette au plat. On l'a traité de radino ou de quoi. C'était pas son problème. C'était pas son problème. Elle mangeait que omelette au plat. Nous, on te prenait les plats chers. On pouvait prendre les plats. Vous passez à la café d'abord, on prend les plats de 2000. Les plats de... c'est pas son problème. On peut manger quoi? On peut même manger Jésus devant elle. Elle est assignée sur omelette au plat qui était à 500 francs ou à 600 francs. Pourquoi? Parce qu'elle savait, disait que son argent, c'est son argent. Elle garde son argent pour elle. On ne sait jamais ce qu'elle faisait avec l'argent. Bon, ça, c'était encore d'autres cas. Mais elle, c'était omelette de plat. Nous qui mangeons à l'époque les plats de café les plus chers, là, on est devenu quoi? On est devenu de qui? On est devenu de quoi? C'est elle qui avait compris la vie depuis en mangeant son omelette de plat. Hein, Marcia? Camino? Alors, vous avez trahi les copains. En fait, vous avez compris la philosophie. Quand tu sais où tu vas aller, tu sais ce que tu dois faire. Revenons au mouton. Merci là-bas, trop gentil. Lorsque tu n'as rien, ce sont les mêmes. Oui, ce sont les mêmes que tu aides. Ce sont les mêmes que tu donnes. Ce sont les mêmes que tu tends la main. Ce sont les mêmes que tu soutiens. Ce sont les mêmes quand elle pleure la nuit. Tu es là avec, avec la personne là. Tu consoles. Tu es là dans les démons. C'est la même. C'est la même qui va te critiquer, qui va te manger. Moi, parfois, quand on me raconte de ce que les gens disent sur moi, que quand je dis que c'est... Elle aussi, elle a dit ça sur moi. Oui. Beaucoup. La vie. Vous comprenez? La vie ne doit rien à personne. Moi, je ne dois rien à personne ici dehors. Quand je vais donner, quand mon esprit dit donne, donne. Mais aujourd'hui, là, Claire, c'est maman projet. Maman projet long métrage, mon 100 francs est calculé. Je ne te donne plus mon 100, je ne donne plus mes, mon 100 francs ne sort plus en désordre. Mes 100 francs ne sortent. Mais ça dit que peu importe le problème que tu vas m'expliquer, parce que j'ai beaucoup été anarché. Quand je dis anarché, que ce soit dans les. Moi je ne parle pas à la famille peut m'anarcher. Parce que eux-mêmes là, c'est le même sang. Mais il dit que j'ai beaucoup été abusé. Voilà, on peut dire ça comme ça. J'ai beaucoup été abusé, que ce soit dans cette résistance, que ce soit les gens autour de moi, c'est de l'abus. C'est-à-dire que les gens vont utiliser ta gentillesse. Moi et les gens, que Dieu m'entend parler, si je mens aujourd'hui là, il y a des gens à qui j'ai envoyé l'argent sans l'avoir vu, sans connaître, que je n'ai plus jamais entendu parler. C'est-à-dire que quelqu'un vient m'expliquer. Moi, à l'époque, j'étais comme une téléguidée. Hein. Quelqu'un me dit, oh Claire, là je suis en Australie, je suis en Australie, oui, je suis en Australie, ici c'est dangereux. Je dis seulement, c'est combien? J'envoie. Moi, je ne réfléchissais pas. Parce que moi, c'est comme ça, je me dis, Dieu a dit dans la vie, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, c'est par les autres que je recevrai mes bontés de Dieu. Je ne le fais pas, bien sûr, pour attendre quelque chose en retour. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui ont mangé mes 100 francs, que je ne sais pas s'ils sont encore vivants, s'ils sont morts. C'est des personnes qui disparaissent. Il y a même encore une petite Gabonaise qui m'a donné, elle a disparu. Elle n'a pas reçu mon argent. Elle m'avait donné l'enfant, le nom. Elle dit que Claire, j'ai accouché. Je vais appeler mon enfant ton nom. Mon enfant s'appelle Claire Newman. Je dis que ok,
Bienvenue Claire Newman. Ah, j'étais contente, je m'appelais ma soeur Wali Wali aux États-Unis. Je dis que Wali Wali, on est devenu maman. Oh. Il y a une fille qui a accouché au Gabon, elle m'a donné l'enfant, le nom. L'enfant s'appelle Claire Newman. La fille là, elle a disparu parce que Wali Wali et moi, on préparait le trousseau. Je dis que moi, je vais envoyer les choses, que quand je vais voir les papiers. Vous voyez, même par là, les gens trouvent les moyens que comment pouvoir aller amadouer. Je dis que moi, je vais pouvoir envoyer les cadeaux à mon homonyme. Que quand je vais voir les papiers où mon nom figure, jusqu'aujourd'hui, oh. Les semaines sont passées. Donc, envoie mettre les papiers. Wali Wali a payé. Parce qu'on était content qu'on a accouché. On a accouché. Il dit que, hey, pour une fois, quelqu'un m'a donné le nom de l'enfant. Ma grand-sœur m'a donné le nom une fois. Hein? Ma grand-sœur a donné le nom une fois. Et puis, qu'il y a encore qui m'a donné le nom. Le reste, là, je suis seulement marraine. Je suis marraine de la fille qui s'appelle Gabriel Dongla. C'est elle qui m'a rendu marraine pour la première fois. Je suis marraine à Rennes là-bas, chez ma sœur aussi là-bas. Donc, je suis marraine deux fois. Je suis marraine deux fois et j'ai deux homonymes. En tout, j'ai sept enfants. Voilà, quatre dehors et trois de mon ventre. Donc, en tout, j'ai sept enfants dehors. Sept. Donc, vous imaginez que moi, j'ai sept enfants. Bon, Gabine, donc là-bas, je ne donne pas l'argent. Là, ma fille, Gabrielle, je ne donne pas l'argent. Là-bas, je ne donne pas l'argent. Et même, ils savent. C'est quand ça me pique, j'envoie. Mais celle qui m'avait donné le nom là-bas, elle a disparu avec Wali Wali. On a préparé le trousseau. Wali Wali, oh non, Wali Wali avait acheté des habits, elle a monté des habits, la grande, notre bébé, comme la fille là aussi, elle a l'esprit des fangs là. Vous savez, c'est les esprits accueillants et tout ça là. Elle a préparé les sacs, on a préparé les sacs pour un enfant qu'on n'a pas vu. Tout, la grande, quand on te donne un nom comme ça, c'est un honneur. Moi-même, je néglige même, hein. Je néglige. Jusqu'à un mois, deux mois, ça fait un an. Je ne sais pas si mon enfant qu'on m'a donné là est un enfant réel. Ou disparu. Mais ça encore, ce sont des techniques des gens pour dire, si je donne un nom à Claire Newman, c'est sûr que... S'il te plaît, donne-moi ton numéro, j'ai besoin de ton aide, pas une... Toi, tu m'as déjà demandé l'aide financière, car... Mon numéro WhatsApp est sur le numéro, sur la page, non, tu regardes en haut. Bon, passons maintenant à la deuxième partie. Tout à l'heure, avec ma petite sœur, on était en train de parler, on parlait un peu de l'entrepreneuriat et tout et tout. Toi aussi, tu m'as surnommé, hein? L'enfant là est où? Si vous accouchez et que vous donnez votre enfant mon nom, sachez que cet enfant va mourir de faim. Cet enfant n'aura jamais des anniversaires. Cet enfant n'aura jamais l'argent. Il sera un enfant normal comme tout le monde, comme Eva. Le jour de son anniversaire, j'envoie un cadeau. Et si je veux, je donne. Si je veux, je ne donne pas. Demandez à Gabine, elle est là, je suis marraine là-bas, non. Des fois, c'est elle qui me rappelle que c'est bon à nous. Elle dit que si je veux, je donne. Si je veux. Ne comptez pas sur moi pour venir faire match. Je suis homonyme. Et puis, c'est moi, je dis donc. Si vous me donnez un enfant le nom, sachez que il peut ne pas manger si c'est il va m'attendre. Il peut ne pas s'habiller si vous m'attendez. Hey, il peut ne pas aller à l'école si vous m'attendez. Parce qu'il faut se mettre que peut-être si j'ai, je donne. Si je n'ai pas, ce n'est pas une obligation. Parce que l'enfant, c'est selon les moyens de tous tes parents. Donc donnez-moi les enfants. Mais ne comptez pas sur moi pour nous, pour élever vos enfants. Sinon, c'est une perte de temps. Mais ça me ferait plaisir de revoir mon enfant qu'on m'a donné le nom là-bas. Voilà. Merci beaucoup pour la beauté. C'est Dieu qui donne, non? On va encore faire comment? Je ne vais pas refuser. Je ne suis pas une vilaine femme. C'est Dieu qui donne. C'est moi un vilain cœur. Alors le cœur là, quand ça pique là-bas, ça tombe. Quand j'ai dit que j'ai un bon cœur, je n'ai plus un bon cœur, j'ai maintenant un vilain cœur. Le vilain cœur là-bas qui refuse maintenant les aides. Quand il vient, je dis non, 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 non. Tout le monde est non, 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 non. Donc je disais tout à l'heure que j'avais une conversation. Ça c'est quelle Dina? C'est une bonne Dina. Moi, tu as entendu que moi j'ai connu ma Dina. On m'a donné le nom d'une Dina que je ne connais pas. C'est les vivantes, c'est les morts. Bon, à l'époque, mon grand-père disait que je suis sa tante. Donc, je n'ai jamais connu Madina. Donc, toi, tu vas me connaître là. Si tu me donnes, il faut bien que... Le jour que la Dina a 100 francs, elle te donne Dina. La seule chose que je peux faire, que c'est la Gabine, je ne m'a pas encore autorisé. Et l'autre, c'est celle qui est à Rennes, quand elle envoie l'enfant. La seule chose que j'aime faire, c'est avoir des enfants autour de moi. À la maison, j'aime me créer les souvenirs là. C'est pour moi ça. Voilà, les petits souvenirs entre nous, comme je fais avec Angela. Angela S. Oh, c'est mon bébé là-bas. C'est quand elle vient à la maison, là, ça. Venir à la maison, manger, dormir, passer le temps avec sa marraine, avec son homonyme, avec sa Dina, oui. Mais dire que sur moi, là,
Claire envoie les Western Union pour Tadina. Regarde mon œil. Nessie, il faut roi, tu as menti. L'enfant va mourir de faim. Je préfère qu'elle vienne manger. Elle va mourir de faim. Elle ne voit rien. Moi, je préfère créer des souvenirs. L'argent, ce n'est pas des souvenirs, sincèrement. Comme je ne m'arrête pas de vous dire, j'ai été élevée par une marraine. Les souvenirs que j'ai de ma marraine dépassent l'argent que ma marraine aurait pu donner à ma mère un jour. Vous comprenez? Les souvenirs que moi j'ai de ma marraine dépassent largement l'argent. Si un bon jour ma mère aurait donné de l'argent, ma marraine aurait donné de l'argent à ma mère pour m'élever. Mais j'ai de ces souvenirs-là avec ma marraine comme si j'étais sa propre fille, comme si j'étais son propre enfant. Elle nous a élevés avec ses enfants de la maison. Quand tu arrivais dans la maison de ma marraine, c'était la sœur de mon grand-père, tu ne pouvais pas savoir si j'étais enfant de cette famille ou j'étais l'enfant du dehors. Voilà. C'est les souvenirs-là que moi, je veux créer avec les enfants. La même manière qu'on m'a élevé en tant que filleule, la même manière, j'ai dit à la vieille fille de Ovaon, donc là, quand même moi, mon enfant, elle a 11 ans, elle là, elle ne comprend pas. Elle est encore petite. Elle est encore petite. Tu vas voir quand je vais débarquer là-bas. La seule marraine, la filleule qui vient à la maison, c'est celle qui a 56 ans là-bas. C'est elle, quand elle vient à la maison là-bas, c'est un chou. C'est un chouchou d'amour, Angela. Angela, quand elle vient, c'est un chouchou d'amour. Marraine, marraine. Même au téléphone. Ouais, marraine. Je parle là-bas, marraine. Et moi, elle va grandir, elle sait que j'ai une marraine qui était là dans ma vie. Grâce à la marraine, je sais que je sais. Grâce à la marraine, c'est ma marraine qui m'a appris à porter ma garniture la première fois. C'est ma marraine qui m'a appris à porter le soutien. Ça, c'est ça. Vous les mamans, là, vous allez prendre mon argent pour aller faire votre beauté. Allez acheter vos produits de maquillage. Allez acheter votre tissage. Et vous pensez aussi, moi, vous allez venir voler, dire que non, donne ta filleule, donne ta Dina. Je ne suis pas dedans. Yes. Tiens, un vilain cœur, c'est que j'aime les vilaines choses. Glenn. Oh, j'ai un vilain cœur. J'ai un vilain cœur. Oh, vous me coupez à chaque fois, je vous réponds. C'est pas bon. Merci beaucoup, merci, merci. Donc du coup, j'étais à dire, vous voyez, et laissez-moi venir dans la conversation normale. Aka, vous aussi. Donc, si tu as envie de me donner un enfant, il faut comprendre que la seule chose où je serai présente pour cet enfant, c'est qu'elle doit de temps en temps, je signe obligatoirement, venir faire un séjour chez moi chaque année. C'est le combat que j'ai en ce moment-là avec la vieille fille que vous voyez qui rit, qui s'appelle Gabi Ondongla. C'est le combat. Elle veut forcément être là. J'ai dit que je ne veux pas ta présence. Parce qu'elle, si elle est là, c'est qu'on va, on va laisser les enfants à côté pour s'occuper de nos bien-être et de notre Congosa. Donc, avec les enfants, quand les enfants sont seuls là, on va aller au parc, on va créer des souvenirs nous-mêmes. Mais toi, tu seras là, tu vas m'embrouiller. On va aller au magasin, on va aller. Du coup, on va laisser les enfants avec Elsa. Et Elsa n'aime pas jouer la nourrice. Quand elle joue la nourrice, elle me demande de l'argent. Hein? Oh. Bon, bref. Et puis, je ne donne pas. Les enfants-là, je dois les dons, je dois les bons. Vous voyez que je ne vais pas vite mourir. Mais mes enfants, je dois les bons à mes enfants. Je dois les bons à mes enfants. Tu dis à Jessie que va me faire le truc sur Internet. Tu me donnes combien? Tu me payes combien? C'est-à-dire que je lui demande d'aller me mettre les produits sur Internet, il faut que je paye. Donc, elle, avant, tu m'as serré sa maman. Je te rappelle, il y a un an ou deux ans, je travaillais sur ton site Internet. Tu me dois encore des sous. Et vous voyez, elle me rappelle ça hier, hein, qu'elle m'avait aidé à travailler sur mon site Internet il y a deux ans, quand il y avait coronavirus. Là. Ma fille me demande de lui payer son argent que je l'avais promis. Comme elle a travaillé sur mon site Internet, je dois payer. Elles ont aussi pareil. Donc, vous voyez que je n'ai pas envie de mourir. Et d'être là... Ok, revenons. Donc, je disais que j'étais en conversation tout à l'heure avec ma petite soeur là, avec une soeur là. Et puis, quand Glenn est déjà allé regarder le profil de Marcia, que vous êtes une femme jolie, femme, hein, vous ressemblez à maman. En tout cas, ou même là-bas, je ne vous dis pas seulement son voisin. En tout cas, il y a voisin et voisin. Voisin de celle-là, il faut fuir seulement. Hein. Si tu ne sais pas courir, mieux tu te mets à la distance. Donc, j'étais en train de discuter avec elle tout à l'heure. On discutait tout et de rien. Et dans la discussion, on tombe sur une conversation sur l'entrepreneuriat au Gabon. On tombe sur l'entrepreneuriat au Gabon. Sur les secteurs dans lesquels il faut entreprendre. Sur comment réussir l'entrepreneuriat au Gabon.
comment les autres font, on papote, on papote. Je dis, tiens, j'avais déjà parlé d'un sujet comme ça. Mais comme au Gabon, on privilège trop les choses qui viennent d'étrangers, on met trop l'accent sur l'importance des choses qui viennent de l'étranger. Lorsqu'un étranger parle de la même chose que toi, l'autochtone, tu as déjà parlé, ça a plus d'importance que toi. Quand toi, tu viendras parler, ça a plus de résonance quand ça vient de la bouche d'un non-Gabonais. Mais quand toi, la Gabonaise ou le Gabonais, tu vas sensibiliser les Gabonais sur l'entrepreneuriat ou sur le vivre en commun ou sur des choses de tous les jours ou sur le social, on va te dire que tu nous fais du bruit parce que le Gabonais, c'est quelqu'un qui aime ce qui se passe ailleurs. Le Gabonais, c'est la personne qui valorise ce qui se passe ailleurs. Alors que sur les réseaux sociaux, si on regarde bien compétencement, d'après ce que je vois, la plupart des choses des gens des autres communautés font, il y a beaucoup de Gabonais qui le font. Il y a beaucoup de nôtres qui le font, qui sont dans l'entrepreneuriat. Comme la jeune fille hier, je ne savais même pas qu'elle était aussi dans l'entrepreneuriat. La maman de Marie-Paul, qu'on a initiée avec force, vous avez vu comment elle s'est présentée, qu'elle fait partie de ces jeunes femmes-là. Elle aide les femmes à se lancer dans le business avec les petits montants qu'ils ont là-bas. Ils vont, voilà, c'est le genre de personnes que autour de nous là, les gens qui la connaissent n'arrivent pas à partager ces contenus pour que nous aussi on le couvre. Si on n'aurait pas l'histoire de l'enfant initié, moi Claire ou bien beaucoup d'entre vous, vous n'aurez jamais su, bonsoir Gloire mon petit frère, vous n'aurez jamais su qu'il y avait une Gabonaise qui faisait dans l'entrepreneuriat. Elle m'a fait un joli logo gratuitement, je vais vous montrer avant de continuer un peu le truc. Elle m'a fait un très beau logo, regardez, et elle est autodidacte, elle se fait elle-même, elle fait le logo d'elle-même. Donc elle m'a fait le logo Boss Lady, je lui fais moi un petit logo Boss Lady pour la prochaine collection de l'élégance sauvage. Donc elle m'a fait ce logo là, c'est très magnifique, vous voyez, elle m'a fait les trucs, et c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'entrepreneuriat, mais c'est des personnes qui ne sont pas connues. Regardez comment elle m'a fait ce magnifique flyer. Mais c'est les personnes qui ne sont pas connues parce qu'elles ne parlent pas de sexe, parce qu'elles ne parlent pas... Oh, voilà. Voilà quelqu'un qui m'appelle. Je vais d'abord raccrocher. Parce qu'elles ne parlent pas, des problèmes de clash. Putain, pourquoi les gens, quand tu raccroches, ils te forcent comme ça? Voilà. Parce qu'elle ne parle pas de sexe, elle ne parle pas de... Oui, c'est joli, je trouve ça joli aussi. Elle ne fait pas de clash, elle est dans l'entrepreneuriat. Et je suis consciente de ça parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Moi-même, j'ai expérimenté ce côté quand tu parles d'entrepreneuriat. Je vous prends un exemple. J'ai mis un post où je poste, c'est mon logo. Vous allez voir à peine 30 likes. Si je mets une photo d'Eva ou de moi ou d'un buzz, nous irons vers les 200-400 likes. Parce que c'est comme ça la mentalité, la plupart des mentalités des Gabonais, c'est tant qu'on ne parle pas, on ne parle pas des fesses de gens, on ne parle pas de qui a couché avec qui a fait le buzz de qui, on n'est pas un blogueur, on n'est pas quelqu'un qu'on doit écouter, on n'est pas quelqu'un qui peut sensibiliser, qui peut apporter une connaissance ou un enseignement. Il faut forcément rester dans ce petit... Quand tu vois, quand je commençais avec la douceur tranquille parce que j'ai gravement mal à la tête, il y a un frère qui m'a dit que tu parais l'air triste, tu as l'air triste, il y a un problème, tu es posé. Parce que je vous ai toujours vendu l'image de quelqu'un qui est une pèteuse de câbles. Vous avez vu que je pète des câbles de tendons. Du coup, pour vous, c'est très étonnant et ce serait très, très désagréable pour vous de m'écouter calmement parce que vous êtes habitué à mes cris. Je vous ai vendu les cris. Je vous ai vendu une personne nerveuse. Je vous ai vendu cette image-là et vous êtes accro à cette image-là. Ce serait difficile pour moi de vous enlever l'image, et je ne cherche pas à vous l'enlever, au contraire, parce que je ne cherche pas à devenir une personne calme, sauf qu'aujourd'hui j'ai vraiment mal à la tête pour de vrai. Mais c'est ça, c'est la réalité dans notre pays, c'est qu'on préfère les gens lorsque les gens sont autres, lorsque les gens donnent une image de celles qu'elles ne sont pas, lorsque les gens sont dans la négativité, lorsque j'écris, j'insulte, là ça va augmenter, ça veut dire que j'adore Claire, j'aime trop cette femme, et lorsque je suis dans l'enfant est là, donc vous voyez, je ne peux pas prononcer, avec mon injure favori, vos poils, lorsque je suis dans les poils, là ça met les cœurs, ça mousse, tata Claire, tata Claire, tata Claire.
Mais non. Mais non, c'est parce que c'est vous, de temps en temps. Si vous me poussez à être dans vos poils, je serai dans vos poils. Si vous ne me poussez pas à être dans vos poils, je ne serai pas dans les poils. Et je veux forcément lancer un truc. Essayons de temps en temps aussi. Vous êtes allé à l'école, beaucoup, vous êtes, beaucoup d'entre vous êtes plus intelligents que moi. Nous, les Gabonais, aimons la distraction, oui. Beaucoup, vous êtes intelligents, j'ai pas d'intelligence parce que certains pensent qu'aller à l'école est synonyme d'être intelligent ou de l'intelligence artificielle. Mais bon, ça va de la définition de tout un chacun de ce qu'on appelle par l'intelligence. Voilà. Mais beaucoup d'entre vous, vous avez un peu de la matière grise. Donc, je pense que vous pouvez quand même essayer de voir, de prendre ce qui est de bien dans chaque blog et venir mettre à contribution de notre nation. Revenons maintenant sur l'entrepreneuriat. Lorsque la petite là vient dire que non, moi je fais dans l'entrepreneuriat, lorsque je fais les labs de l'entrepreneuriat, j'ai à peine 40 personnes comptées, comme nous sommes là, bien sûr. J'ai à peine quand même, par contre, si j'étais dans le lab buzz et tout comme ça, on casserait les pommes parce que les gens sont habitués à me voir dans l'extravagante ou dans les clés. À l'époque, lorsque je faisais mes labs d'entrepreneuriat, il y a déjà 2 ou 3 ans, j'ai commencé. Je commençais à faire des lives où j'apprenais les gens comment créer des sites internet. Je faisais même les émissions, ça s'appelait ma rubrique, je m'informe, où dedans j'informais les gens comment créer des procédures pour lancer un business, et patati, et patata, et patata, et patata. Je n'ai pas attendu qui que ce soit, je n'ai pas entendu que je puisse être à 1000. Que les gens qui me suivent depuis longtemps, vous rappelez le premier live lorsque j'ai fait pour la création de site internet, nous étions à peine 10-15 personnes à regarder un live de 2 heures de temps où je montrais les gens comment créer un site internet de A à Z. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement radins lorsque je vous demande 1500 à 2000 euros pour créer un site internet, vous criez au scandale, comme l'a fait une petite soeur tout récemment. Elle me demande un prix, je donne le prix, elle va ailleurs, elle trouve moins cher, elle revient, finalement c'est toi la moins chère. Et moi aussi je vous dis que je ne prends plus. Voilà, ça m'arrive de refuser l'argent, hein, parce que je n'aime pas de conneries. Moi ça m'arrive, tu viens, tu refuses chez moi, tu pars ailleurs, tu vas voir qu'ailleurs est plus cher, et puis finalement tu reviens chez moi et dis que je ne prends pas aussi. Voilà. Donc, nous arrivons maintenant au niveau de l'entrepreneuriat. Comme il y a ma soeur tout récemment, elle voulait lancer un peu dans le blog. Elle a dit, oh, moi, je vais pas faire le blog parce que c'est fatigant. Moi, je fais le blog là, j'ai pas envie de qu'on vienne m'insulter ou quoi. Non, tout le monde peut faire le blog comme tout le monde peut entreprendre. On arrive à ce petit côté, ce gros côté. Comme tout le monde peut entreprendre. J'avais lu sur, moi, j'aime plutôt citer les noms des gens. Vous savez, ici, Internet, quand tu cites le nom de quelqu'un, tu cherches le buzz sur une personne. Mais j'avais lu sur une comédienne humoriste gabonaise où elle disait que l'entrepreneuriat au Gabon est synonyme de buzz, c'est-à-dire que synonyme de quelqu'un où tu es géré, où tu as quelqu'un qui te gère derrière, où tu as une personne qui est derrière toi, qui te finance, où tu as une personne qui est derrière toi, qui te soutient. Moi, j'avais un peu du mal avec cette confirmation, avec cette affirmation autant pour moi, parce que vous savez, il y a entreprendre. Et vouloir entreprendre et faire de l'entrepreneuriat pour la vue, les yeux des gens. Beaucoup aujourd'hui, laissez-moi, ça c'est mon constat. Moi, je peux aussi me tromper. Si je me trompe, il n'y a pas de souci. Mon constat aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent faire l'entrepreneuriat juste pour montrer qu'elles sont des femmes fortes, qu'elles sont des hommes forts, que s'ils ont un business, oui, j'ai mon business de ça, mais beaucoup ne... Allô? Oui, bonjour, Bertrand. Attends, je coupe le live. Attends, comment ça va? Ça va très